mètres de l'eau. De l'eau qui sort. Vous mettez à la ligne. Voilà, exactement. Donc, notre objectif ici, c'est pas seulement dispenser des choses que vous pensez, ou dire que vous avez pensé, mais de savoir comment utiliser ces côtés, avec quoi on fait en fait. Bien. Et quand on brûle les dégâts, qu'est-ce qu'on obtient? On mélange de l'eau. Voilà. Vous pouvez m'écrire l'équation bilan de la synthèse. C'est la voilà. Félicitations. Qui a une théorie pour nous? On a filmé. Mmh. Ah, qui d'autre a eu notre réponse? C'est de ça qu'on a fait ce plan d'aventure. Donc, si on comprend bien, on peut faire quelque chose et après mettre ça dans l'ordinateur. Ou bien on peut faire ça sur l'ordinateur et réaliser ça dans la vraie vie. Ou bien? Mmh. Hein? Ça, on a réalisé ça pour faire ce qu'il y a dans la voiture. Hmm? Pour vous donner une idée de comment c'était dans la voiture, je vais vous montrer une photo. Vous utilisez un ordinateur. Mais vous avez vu que ce que je vous ai montré ici, là, il y avait quoi dessus? Le boy. Il y avait quoi dessus? Il y
dimensions. C'est ça, il y a les dimensions. Hmm? Il y a les dimensions. Comment on a fait pour mettre les dimensions là-bas? Quelqu'un sait? Ou quelqu'un a une idée? Tantôt on a modélisé ça sur l'ordinateur. L'ordinateur là, centimètre là, il connaît. Millimètre, il connaît. Micromètre là, il connaît. Il connaît toutes les unités. Mettez le curseur sur le rond rouge. C'est bon? Cliquez sur le rond rouge. Une seule fois. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, maintenant vous glissez vers le drapeau vert. Glissez vers le drapeau vert. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, maintenant ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont devant, suivez attentivement. Tout ce que vous avez écrit là, il y a votre lutteur là, d'accord, qui va vous répéter tout ça. D'accord? Maintenant cliquez sur le drapeau vert, vous allez voir. La flûte est un instrument à vent. La pinette est un instrument à vent. Le piano est un instrument à vent. La guitare est un instrument à vent. La choré est un instrument à vent. Le tambour est un instrument à percussion. Le djembé est un instrument à percussion. La harmonique est un instrument à Un orchestre est constitué de la flûte. Parle, ne t'inquiète pas. De tambour. De batterie. Oui. Et de piano. Voilà. Donc ça fait un orchestre. Assis-moi les gars. Les valigés. Aujourd'hui, nous avons fait les activités comme le codage de l'électro-jubé et l'imprimante 3D, la biologie concernant la structure de la cellule, la structure de la cellule concernant l'épithélium buccal. Ce que j'ai appris, c'est que nous avons vu deux microscopes électroniques, l'un comportant l'écran plan et l'autre concernant l'écran à oculaire. Et ce que j'aimerais toujours la filière de la biologie concernant l'étude des structures cellulaires. Je remercie l'ambassade des États-Unis, le corps de la paix, l'équipe de Moulab et le corps enseignant de l'esprit de ce corps. Je m'appelle Sinadia Gonzalez, je fais la 4e. C'est l'évolution de corps bon.
quand ils sont venus pour me remonter, j'ai vu que le monde lave, j'ai entendu que ceux de monde lave savent chanter. Quand j'ai entendu le mot de la musique, je suis très intéressée. Je suis une choriste. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a trop intéressé. Ils m'ont appris comment déchiffrer, comment chanter. Je m'appelle Gergou Dima. Je suis professeur de SVT et professeur du lycée de Corbongo. Alors, nous avons reçu aujourd'hui l'équipe de laboratoire mobile qui est arrivée pour partager avec nous les expériences qu'ils ont vécues eux-mêmes. Et je vous dis que, en fait, c'est une merveille. Dès l'introduction et dès qu'on a lancé le petit drone, tous les enfants ont été captivés, motivés à voir ce qui va se passer. Et lorsque nous avons organisé les activités, les différents laboratoires, les élèves sont allés et ils sont enthousiasmés. Ils ont bien envie d'avoir, de vivre ça tous les jours. De même, les professeurs ont vu, par exemple, à Terminal D, on a vu un microscope ordinaire que nous utilisions avant, mais un autre avec une caméra. Et ça a été effectivement là aussi une grosse surprise. Partout où je suis passé dans tous les ateliers, j'ai constaté que tous les élèves sont motivés et veulent en savoir beaucoup plus. Alors, ce que je voudrais dire en recommandation, c'est que cette activité-là se répète et qu'on ait à former un certain de nos professeurs à pouvoir perpétuer cette activité-là parce que nous avons vu l'intérêt que ça porte pour les élèves. À ce sujet, je voudrais donc remercier d'abord l'ambassade d'Amérique, remercier l'équipe de Moula, du laboratoire mobile, remercier également les professeurs qui nous ont aidés à encadrer nos frères et remercier également les élèves eux-mêmes pour l'intérêt manifeste qu'ils ont porté pour la chose. Bonjour, je m'appelle Melissa et je suis à Corbongo aujourd'hui avec Molab. Je suis volontaire du Cours de la Paix et c'est aujourd'hui les élèves à faire des expériences dans les salles de classe et dans les Molab voitures. Il fait les chimies, les physiques, les activités pour construire les maisons et il fait la musique et beaucoup d'activités pour apprendre une différente moyenne aujourd'hui. Et ça s'est très bien passé. Les élèves aiment ça et les enseignants font ça avec eux. Et ça, c'est très bonne opportunité pour les élèves. Et merci beaucoup pour le MBC aux États-Unis pour le MOLAB venir à Corbongo. Et aussi, merci beaucoup pour le staff avec MOLAB pour faire ça aujourd'hui. C'est très tôt pour venir très tôt à Corbongo dans la savane. Et merci beaucoup pour les proviseurs ici pour demander pour le MOLAB et les enseignants de Corbongo Lycée. Merci beaucoup.